nouveau coureur se présente sur la rampe. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 4 du Critérium du Dauphiné. Vous voyez, les banderoles du Critérium sont sorties là, ça rend pas mal hein, la rampe de lancement, je trouve ça vraiment sympa. Allez, c'est parti, on part à bloc. C'est la première fois que je vais faire ce chrono, tout court d'ailleurs, j'allais dire avec la totale, mais non. Clairement, c'est la première fois que je le fais tout court. Allez, on va essayer de pas perdre de temps du tout dans la première partie, voilà. Petite relance, nickel. On met la position. Allez, le nouveau jeu Tour de France, là, qui sort, donc le 2021, qui sort le jeudi, donc le 3. Jeudi là, d'ailleurs, tout simplement. Donc, normalement, je l'aurai dès jeudi, donc logiquement, jeudi soir, on peut penser qu'il y aura une vidéo découverte du jeu Tour de France. Et après, par la suite, il y aura prochainement, assez rapidement, un Tour de France. Et après, pour les modes Pro Leader et Pro Team, il faudra attendre un petit peu de temps, je pense, parce que s'ils nous font le coup, comme tous les ans, à nous sortir des mises à jour 3-4 jours, voire une semaine après la sortie du jeu, bah, j'attendrai un petit peu que les mises à jour soient faites pour pouvoir... Pour pouvoir commencer les différentes carrières à droite à gauche. Allez, la première montée. Est-ce que Chavez, on le voit? Il doit pas être très loin derrière nous, mais ça va. Bon, ça, on le voit pas derrière nous, ça veut dire qu'on est pas trop mal parti quand même. Par contre, devant, je crois qu'on voit le coureur. Oui, ça c'est cool. Alors, au premier intermédiaire, c'est Carapaz qui était en tête. Et à l'arrivée, c'est Richie Porte qui a le meilleur temps. D'ailleurs, on en parle de Damiano Caruso là, qui finit deuxième du Giro. Oh là là, incroyable. Franchement, Caruso, il m'a régalé. À un point que je me dis que s'il y aurait eu Landa, je suis même pas sûr que Landa aurait été meilleur que Caruso, quoi. Ou alors, si Landa aurait été meilleur que Caruso, Landa, quasiment, il aurait quasiment gagné le Giro, quoi, clairement. Mais, waouh. Caruso, exceptionnel. Alors, on a un kilomètre du sommet, ouais, c'est ça. 1 km du sprint, ouais, ça peine du sommet, mais et on voit un petit peu derrière. Alors, on va relancer un petit peu. Je préfère me cramer un peu dans la première montée. J'ai peur qu'à l'arrivée, il me reste encore de l'énergie bêtement et perdre du temps du coup. Allez, grosse relance. Pour l'instant, on est juste dans les temps quasiment, à 4 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, la position aérodynamique. On enchaîne plutôt bien ces virages. Et je vous le dis, moi, honnêtement, je pense au top 10 pour cette étape. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Notre objectif d'arrivée, c'est quoi? Notre objectif d'arrivée, il nous l'affiche pas. Si c'est 22-01, le cinquième est déjà en 21-45. Ouais, donc ça peut être quand même tendu. Il va falloir que je fasse une bonne fin d'étape, une bonne fin de chrono. Allez, le virage, oulala. Ça surprend toujours hein, quand c'est la première fois qu'on fait. Heureusement que mon directeur sportif m'avait dit que j'allais devoir freiner dans les descentes. Parce que des fois, il y a des virages qui se passent assez facilement. Mais là, pour le coup, il fallait mettre quand même un petit coup de frein. Allez, la position... de chrono dans la descente. 2 km de l'arrivée. On est pas mal, on garde la position aéro pour l'instant, même si ça monte. On a tellement d'élan. On peut garder encore la position un petit peu. On va en profiter. Allez, allez, accroche-toi là. C'est le moment, Pierre Latour. J'allais dire Pierre Roland, mais non. Allez, franchement, là, j'ai tout donné. Je pouvais pas faire beaucoup mieux, là. Et il me reste encore de l'énergie. Ça, c'est chiant. Allez, 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 allez. En tout cas, on va faire le temps voulu. Allez, à 2 secondes près, on y est. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, bah, au final, c'était pas si mal. On fait quasiment le temps qui nous était prédit. Bon, malgré ça, on finit quand même que 50e. Et vous voyez, tout le monde est en bonne forme. En fait, voilà, Nibali qui est pas en bonne forme. Enfin, qui est en forme normale. Et finalement, il est pénalisé, quoi. Donc, bon, bah, finalement, ouais, 50e place. S'il y aurait eu les formes négatives aussi qui étaient dans le jeu, visiblement, ils sont pas en mode My Tour. On aurait peut-être fait un top 30, top 20, quoi.
Mais malheureusement, on n'aura pas eu cette chance-là. Mais bon, on reste quand même pas si mal, je pense, au général. On doit pas être si mal placé. Voilà, 17ème. C'est correct, sachant que devant nous, je pense qu'il y a des coureurs qui vont perdre un petit peu de temps, soit parce qu'ils sont équipiers ou soit parce qu'ils sont peut-être pas suffisamment bons grimpeurs. Allez, on regarde vite fait la montagne. On est 4ème. Le maillot vert, on est où? On se cherche là, on est seulement 11ème. Maillot blanc 5ème du coup. 6ème par équipe et 3ème de la combativité. Allez, on va jeter un oeil sur la prochaine étape. Donc étape quand même assez vallonnée. Peut correspondre à un Turgis en vrai, pourquoi pas, ou un Calmejane. Allez, on verra ça demain. Allez, ciao.